Trois mineurs et deux majeurs inconnus des services de police ont été mis en examen vendredi soir. Parmi eux, le leader, identifié comme tel par la police, a été placé en détention provisoire. Les quatre autres sous contrôle judiciaire. La direction départementale de la sécurité publique a mobilisé une grande partie de ses équipes pour retrouver les auteurs présumés des agressions d'étudiantes à l'origine d'une véritable psychose dans le quartier des Deux Lions. Sacs, ordinateurs, téléphones, des vols commis sur 11 victimes au total. Aujourd'hui, les investigations se poursuivent. Une information judiciaire a été ouverte. Le juge d'instruction a été saisi du dossier.